Bonjour Christelle Vieux, médiatrice culturelle au musée Bonnard. Mon coup de cœur est le tableau d'Aristide Maillol, Profil de jeune fille, peint en 1891. Maillol est surtout connu en tant que sculpteur, sculpture qu'il découvrit à l'âge de 35 ans. Mais il a eu des expériences fécondes dans la tapisserie et réalisé de nombreuses peintures, dont ce profil de jeune fille. Celle que nous voyons est entre l'enfance et l'âge adulte. 13, 14 ans, elle ferme les yeux. Ses traits sont détendus. Elle semble être en introspection, recentrée sur elle-même, sereine. Certains y verront un repli sur soi. S'accorde-t-elle un moment de répit avant de plonger dans le monde adulte? Un moment de parenthèse, hors du monde? Pour regarder son silence et sa sérénité, plongeons-nous dans la contemplation de ce tableau. Il est rayonnant. L'assemblage des couleurs dégage une lumière dorée. Avec ou sans projecteur, il est lumineux. Cette impression vient des jeux de vibrations qu'il y a entre les jaunes et verts clairs du fond champêtre et les couleurs du visage, rose plus beige. Cela grâce à une juxtaposition de couleurs. Le vert et le rose, le rouge et le jaune. Regardez le rouge des lèvres ici, ou le rose du nœud qui font vibrer la lumière qu'il y a tout autour. Le support est tout aussi important. Elle est peinte sur une toile très épaisse, comme de la toile de jute qu'on voit apparaître à certains endroits du tableau. Plus le pinceau se rapproche du visage, plus cette toile rêche disparaît sous la délicatesse des coups de pinceau. Elle se fond de plus en plus fine en se rapprochant du profil. Et sur le visage, l'épaisseur des couches les unes sur les autres recouvre entièrement les stries de la toile. Le grain de sa peau est très lisse, douce, en contradiction avec la partie plus rêche de la toile. Et un trait fin souligne le visage, ce qui le met en valeur, comme s'il ressortait. Il émane de ce tableau une sérénité apaisante. Venez découvrir ce tableau lors de l'exposition Enfance rêvée jusqu'au 6 novembre 2022 au musée Bonnard.